Bonjour. À quelques mois de la fin d'année, sans doute, avez-vous encore des projets de formation à déployer? En cette période soutenue, il peut être difficile de lancer des nouvelles actions de formation car le process peut se montrer chronophage. Identifier potentiellement des prestataires pouvant répondre à vos besoins, sélectionner l'un d'entre eux, monter administrativement le dossier sans oublier les vérifications d'usage type Calliope. Aussi, Deezy se mobilise à vos côtés en vous proposant une offre de formation riche, clé en main, en inter et en intra-entreprise et aux modalités pédagogiques variées. Ce catalogue est une réelle opportunité de vous permettre de répondre à des besoins réguliers, comme mettre à jour certaines habilitations, certifications de vos collaborateurs, voire même leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences dans des domaines aussi variés que la prévention sécurité, la cybersécurité, le management, les langues, etc. C'est donc le bon moment pour utiliser les budgets de formation entreprise non encore dépensés. Alors, si tout comme moi, sur cette fin d'année, plus que jamais, il vous faut être réactif et efficient, cette capsule vidéo est faite pour vous. À l'image de vos contraintes, cette capsule vidéo s'organise en différents chapitres, vous permettant, via un simple clic, d'accéder directement à la partie qui vous intéresse. Découverte de notre catalogue formation, démarche d'inscription et suivi de vos dossiers sont autant de sujets qui sont abordés dans la suite de cette vidéo. Alors, pourquoi utiliser ce catalogue? Quels en sont les avantages? Alors, premièrement, pourquoi utiliser ce catalogue? Parce que c'est simple et efficace. Gain de temps dans vos recherches de formation. On est là sur un catalogue digital de formation en accès libre sur notre site internet pour toutes nos entreprises, qui offre une visibilité sur la programmation des sessions de formation, notamment une visibilité annuelle, et qui vous déleste de l'ensemble des démarches administratives à réaliser, puisque une fois que l'inscription est réalisée, le travail est terminé à votre niveau. Deuxièmement, pertinent d'utiliser ce catalogue parce qu'il comprend des formations de qualité, car évalué et sélectionné par nos soins dans le respect des normes qualité, notamment Calliope, et des formations qui sont adaptées aux problématiques de l'industrie et de ses métiers. Et puis enfin, pertinent d'utiliser ce catalogue parce qu'il propose une offre de formation variée. Plus de 15 domaines de formation y sont référencés. Une multitude de sessions de formation possibles, que ces sessions se réalisent en présentiel, vous offrant là la possibilité de déployer des formations en proximité de votre entreprise ou des différents établissements de votre entreprise répartis sur le territoire national, ou bien évidemment des formations en distanciel ou en mixed learning. Les prix sont évidemment négociés et on est sur une offre en constante évolution, en prise directe avec vos nouveaux enjeux, notamment en ce moment, on parlera du numérique, de l'écologie, de la cybersécurité. En résumé, le catalogue Deezy Action Clé en main, c'est un catalogue digital de formation qui vous permet de vous délester des démarches administratives tout en facilitant vos recherches via un accès libre numérique. Catalogue dans lequel vous trouverez des formations adaptées, de qualité, qui peuvent se déployer en proximité de vos différents établissements et bien évidemment à des prix raisonnables, donc négociés. Deuxième action clé en main, donc comme je l'ai dit, une offre de formation large, des formations techniques, métiers, transverses, qui vont donc s'adresser à l'ensemble de vos collaborateurs, quelle que soit leur fonction en entreprise. 15 domaines de formation existants, plus de 5 000 actions de formation proposées. Alors, on va balayer rapidement ensemble les différents domaines et de façon non exhaustive, je vais vous donner quelques exemples pour chacun des domaines. Alors, premier domaine représenté, le management, où on va naturellement identifier des formations de management de proximité, d'équipe, de projet, de gestion des temps hybrides. Des formations plutôt métiers, donc là, des formations plus d'expertise sur des spécificités de branches comme la chimie organique, les matériaux composites pour le nautisme, par exemple. La prévention sécurité, où classiquement, on va retrouver les formations CACES, habilitation électrique, ATEX, sauveteurs secouristes du travail, travail en hauteur, personnel de entreprises extérieures, plan de prévention, etc. Qualité et amélioration de la performance. On va davantage être là sur des méthodes d'analyse de résolution de problèmes, sur la norme ISO 14001, sur le Lean, sur Reach.
Le domaine de la qualité de vie au travail, la QVT, donc là, on va retrouver les formations autour de la mise en œuvre de démarches qualité de vie au travail en entreprise, la prévention des risques psychosociaux. Le domaine technologie en production et maintenance, on va retrouver là des actions de formation qui concourent à la maintenance des équipements industriels, que ces derniers soient hydrauliques, pneumatiques, mécaniques, mais on va retrouver également de la lecture de plans, de la métrologie, de la programmation d'automates. Les ressources humaines et la formation, avec la formation interne, de tuteurs, de formateurs, formés en AFES, la marque employeur, recrutement, intégration, les entretiens obligatoires RH, etc. On va également retrouver tout ce qui est achat et logistique avec, par exemple, l'ordonnancement et la planification d'ateliers, l'amélioration de la performance des achats grâce au digital, la bureautique et logiciel. Donc, classiquement, on va retrouver les logiciels d'Office 365, les outils collaboratifs, donc pour en citer que quelques-uns, Word, Excel, Google Workspace, SharePoint, OneDrive, OneNote, Teams, etc. On va retrouver également le commerce avec des formations type négociation commerciale, marketing digital, e-commerce, la comptabilité, donc finance pour non financiers, la gestion des risques d'impayés, le domaine démarche écologique et environnementale, politique d'achat durable et responsable, démarche RSE, efficacité énergétique d'un site industriel, la cybersécurité, donc se protéger des attaques d'ingénierie sociale par exemple. L'import-export avec gestion de la TVA dans les échanges internationaux, la maîtrise des impôts termes, améliorer et réussir ses achats à l'international. Et puis enfin, les langues où on trouvera l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, français, langue étrangère. Donc, comme vous l'aurez noté, on est là sur une offre nationale riche. Notons que cette offre s'adapte également au niveau de vos collaborateurs, du plus débutant au plus expert, et qu'elle propose, quand cela est possible, une option de certification pour reconnaître les compétences ainsi acquises par vos collaborateurs. Donc, important effectivement de retenir que cette offre de formation de ZI Action Clé en Main ne se réduit pas uniquement aux offres de votre région ou de votre territoire, notamment effectivement grâce aux opportunités offertes par les formations en distanciel, et que c'est une offre qui est en constante évolution et qui s'étoffe en fonction de vos actualités. Prenons un exemple actuel, la transition écologique. Effectivement, dans notre catalogue de formations existant aujourd'hui, il y a des formations qui contribuent directement ou indirectement déjà à la transition écologique, mais ces formations vont être prochainement complétées par une offre complémentaire d'actions de formation qui vont s'articuler en quatre axes sur ce sujet. Un premier axe pour vous aider à sensibiliser votre direction, le management, les collaborateurs autour des impacts de la transition écologique pour vos entreprises. Des actions qui vont faciliter l'engagement et l'accompagnement d'actions mises en œuvre concrètes sur le sujet de la transition écologique. Un axe pour vous permettre d'accompagner vos projets d'investissement dans la transition énergétique. Et puis enfin, un dernier axe de formation pour vous aider à déployer la politique globale de transition énergétique. Voyons maintenant ensemble le tutoriel pour la recherche, la prise en charge et le règlement des actions de formation du catalogue OPCO 2i. Comment accéder à ce catalogue ? Le catalogue digital est en accès libre sur le site opco2i.fr dans la rubrique « Formation et financement », « Découvrir le catalogue de formation ». Comment trouver la formation la plus adaptée à mes besoins ? Grâce au moteur de recherche, vous avez la possibilité d'indiquer le domaine de formation, la bureautique, le commerce, la comptabilité, la prévention sécurité, d'avoir accès à toutes les formations dispensées sous ce domaine, sélectionner une région ou les modalités pédagogiques.
Dans les modalités pédagogiques, vous retrouverez le distanciel qui vous permettra d'avoir accès au catalogue national de l'OPCO2I et le présentiel suivant la région que vous aurez choisie. Une fois que la recherche est validée, vous avez la liste de toutes les actions possibles avec les organismes qui les dispensent. Comment avoir la meilleure date en fonction de mon planning personnel ? En cliquant sur « Date et lieux », vous aurez la vue des dates proposées ainsi que les lieux. Vous aurez aussi accès au programme de formation qui peut être téléchargé. Vous avez le récapitulatif du prix, du nombre d'heures en présentiel ou en distanciel suivant la modalité que vous aurez choisie, les coordonnées de l'organisme qui dispense la formation. Procédons maintenant à l'inscription. Ce bulletin complété en ligne permet à l'organisme et à l'OPCO de prendre en charge votre demande. Vous n'avez pas d'action à mener sur votre espace Mon compte 2i. Vous choisissez la date qui vous correspond, le nombre de stagiaires que vous souhaitez former et confirmer. Sur la droite, nous avons le récapitulatif de la formation, les dates, le lieu et l'intitulé choisi. Vous pouvez indiquer un commentaire à destination de l'organisme de formation et de l'OPCO2I. Contact entreprise, c'est votre nom, c'est votre adresse mail, afin de pouvoir vous contacter en cas de questions complémentaires ou de besoin d'informations. Toutes les données doivent être renseignées. Le SIRET, c'est les 14 chiffres de votre numéro SIRET. Votre fonction, l'effectif de votre entreprise, votre secteur d'activité, l'adresse du siège social et la partie entreprise est renseignée. Concernant les stagiaires, donc les informations seront à compléter, donc les noms, prénoms, la date de naissance, son email, sa catégorie socio-professionnelle, son niveau et son type de contrat. Vous pouvez avoir accès aux conditions générales. Je confirme avoir pris connaissance de ces conditions et je valide mon bulletin d'inscription. Une fois le bulletin d'inscription validé, vous allez être redirigé sur une page Internet, vous indiquant que votre préinscription a bien été enregistrée. Comment suis-je au courant de la validation de mon dossier ? L'organisme de formation va peut-être prendre contact avec vous afin d'avoir des informations complémentaires. Une fois que l'organisme aura validé avec vous les dates, les salariés inscrits, il vous transmettra une validation par email. Sur cet email, vous avez le récapitulatif de votre demande avec les dates, les salariés inscrits et cela vous indique que l'OPCO2I va prendre en charge votre demande. Une fois que l'OPCO2I aura validé votre demande, vous allez retrouver votre accord de prise en charge sur votre espace moncompte2i.fr. Les salariés pourront donc réaliser la formation. L'organisme transmettra les éléments de facturation directement à l'OPCO2I qui réalisera le règlement. Vous n'avez donc pas de règlement à effectuer pour ces actions qui proviennent du catalogue OPCO2I. Vous bénéficiez donc d'une simplification administrative, vos seules actions étant de trouver la bonne formation et d'inscrire les participants. L'OPCO gérera à votre place l'administratif et le financement des actions. Voici quelques témoignages entreprises par nos conseillers formation. À la question « À quel besoin entreprise cette offre de service 2i Action Clé en main » répond-elle, les entreprises nous répondent. C'est un véritable gain de temps, car il n'est pas facile de savoir où et comment chercher quand on n'est pas un expert du domaine de formation. Il est donc apprécié par ailleurs la rapidité d'identification des prestataires sur un territoire allant jusqu'à une consultation portée par 2i. De plus, la négociation des prix est déjà réalisée.
Cela permet de déployer notre plan de formation sans contrainte administrative. En effet, car en particulier sur des besoins de formation récurrents et réguliers, l'inscription de votre collaborateur est simple et facile à réaliser. Le traitement de l'inscription est rapide. Les entreprises nous remontent aussi que le choix du prestataire par 2i est un gage de qualité. En effet, il s'agit là d'un gage de qualité, mais aussi de sécurité, car il y a des prix raisonnables alignés sur le marché, des organismes de formation qui interviennent dans le secteur industriel et en lien avec l'OPCO 2i, ce qui va faciliter la prise de contact et instaurer une relation de confiance. Il y a aussi des prestataires de proximité proposant une offre variée, aussi bien technique que transverse, ce qui va permettre de couvrir l'ensemble des besoins de vos collaborateurs et d'avoir une meilleure connaissance des organismes de formation. Et pour vous convaincre de vous lancer, les slogans de nos conseillers. Un outil au service de votre performance. Action clé en main, un tremplin pour vos formations. 2i action clé en main, c'est plus simple et plus malin. Simplifiez-vous la vie avec les actions clé en main 2i. Et le mot de la fin par l'une de nos entreprises utilisatrices. Foncez, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés et laissez-vous guider. Pour aller plus loin ensemble, nous vous proposons de vous rendre directement sur le site opco2i.fr afin de retrouver toutes les informations utiles telles que le catalogue des actions clés en main, vos contacts en région et les actualités 2i. Retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo.